Yo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les situations. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos situations sur l'email qui s'affichera juste en bas, qui sera également dans la description, et pour les messages toujours pareil sur les situations tout simplement sur Movistar Planet. Et bien écoutez, c'est y part. Yo petit citron de l'espace et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, à citronner ton meilleur pouce bleu. Et si t'aimes l'histoire d'horreur, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne de thread horreur 15 ailes de sueur, ou si tu préfères les vidéos fun et délire avec du Roblox et d'autres jeux, ma nouvelle chaîne Litre Gang, le lien en description et à la fin de la vidéo. Et voici 2-3 commentaires qui gagnent un drip, un pixel, et si toi aussi tu souhaites tenter ta chance, laisse un commentaire cool avec ton pseudo sous la vidéo, tu seras peut-être tiré au sort sur une prochaine vidéo, et c'est y part pour le contenu. Et pour la première situation, alors clairement, l'arnaqueur, franchement, la fille avec qui il parlait, elle aurait pu tellement l'arnaquer en retour, ça aurait été l'arnaqueur arnaqué, vraiment. Mais voilà, vous allez tout comprendre. Donc ça se place sur Blockstar Planet, comme vous l'aurez remarqué par rapport aux images. Donc ici, c'est quelqu'un qui lui propose des diamants, elle dit oui. Lui demande son mot de passe, et là elle lui dit mais pourquoi tu veux le savoir? Et là il dit bah pour te donner les diamants, donc forcément bien évidemment c'est pour lui piquer son compte, ça je pense qu'on l'aura compris. Sur le screen d'après, elle lui dit le diamant un seul parce que bah il s'est trompé quand il a écrit, du coup il dit non désolé j'écris vite. Et elle demande combien? Alors attention les gars, hein, 13 536, j'allais dire citron, pas du tout diamant. Alors déjà j'aimerais bien savoir pourquoi le chiffre n'est pas un chiffre rond, ça me stresse, pourquoi genre pas 10 000 ou 13 000 ou voilà, c'est pas un chiffre, enfin en soi il est un petit peu rond quand même, mais voilà ça me stresse, ce chiffre me stresse, bref. Et c'est vraiment beaucoup de diamants, franchement, moi je dis pas non, hein, 13 530 diamants, je donne mon mot de passe tout de suite, hein. Et là elle dit, waouh, c'est beaucoup, je suppose que tu dois avoir des milliers de diamants. Et là il lui répond, bah oui, j'en ai pas mal, tu les veux? Et elle lui répond, oui, mais comment tu fais pour mettre autant de diamants? Et là il répond, bah tu peux me faire VIP, s'il te plaît, mon frère me donne. Alors, on va partir du principe que, ok... Son frère lui donne des diamants, donc quand il lui donne des diamants, forcément, il doit quand même le mettre VIP, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi il met... son frère le met pas VIP tant qu'à faire? Enfin, je veux dire, 13 530 diamants, je peux te dire, tu peux être VIP pendant très longtemps avec ça. Donc, voilà, mais bon, je pense que là, très vite, on comprend qu'en fait, c'est vrai, c'est totalement fake, même si on le savait dès le départ. Et la suite... Elle lui dit, mais pourquoi tu veux que je te fasse VIP? Si tu peux acheter des diamants, tu peux acheter du VIP, non? Ce qui est totalement logique. Et là, elle lui répond, bah je veux être VIP, j'ai toujours rêvé. Donc voilà, il répond un peu à côté de la plaque. Elle lui dit, ah ok. Et il lui demande, tu peux me le faire? Et là, elle lui dit, mais pourquoi tu te payes pas le VIP? Si tu payes des diamants. Et là, elle lui répond, j'ai pas le droit et les diamants, c'est mon frère qui me les donne. Et là, elle lui répond, bah bref, entre toi et moi, les diamants, c'est de l'arnaque. Je suis pas dupe, mon beau. Et là, elle lui répond, ouais, MDR, mais t'inquiète, je voulais pas te pirater. Je voulais acheter des trucs pour toi, ce que je voulais avoir depuis toujours. Attends, j'ai pas compris. Ouais, MDR, mais t'inquiète, je voulais pas te pirater. Je voulais acheter des trucs pour toi, ce que je voulais avoir depuis toujours. Vous voulez lui acheter des trucs que lui il veut, enfin j'ai pas trop, trop capté, mais bref. Si vous avez compris, dites-moi en commentaire, moi j'ai pas compris. Et là elle lui répond, ah ok c'est gentil, elle m'a laissé un petit message, mais bien sûr. Mais là meuf, t'aurais pu tellement l'arnaquer fois 10 000, mais bon. Non mais sérieusement. 100% elle aurait pu lui dire, ok je te mets VIP. Vas-y, donne-moi ton compte. Et le mec, sûr, il lui aurait donné son compte. Hein, donc voilà, l'arnaqueur qui aurait pu se faire arnaquer, n'empêche, c'est quand même culotté. Hein, Juste là, un petit bug où on voit que la barre, elle est à 6 sur 5. Donc techniquement, c'est pas possible parce que le maximum, ce serait 5. Voilà, petit bug.
Pour le coup, c'est pas vraiment une situation avec un bug en particulier, mais c'est une personne qui m'a envoyé ça en m'expliquant que c'est un look de Pixie dans lequel il s'est passé quelque chose d'assez étrange. C'est qu'il y a pas mal de gens qui ont spammé le même message, donc c'est étrange et c'est assez flippant en soi. Et les personnes ont spammé tout simplement ce message, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, c'est plus un appel pour vous demander, oui, c'était quoi? C'était un délire de plusieurs personnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un YouTuber qui a lancé le mouvement? Je ne sais pas. Moi, je sais pas si elle me l'aurait pas envoyé, je n'aurais même pas remarqué. Je vous avoue, je regarde pas forcément les commentaires des looks. Mais voilà, pour le coup, n'hésitez pas à nous éclairer si vous connaissez d'où vient ce délire. Et dernier bug avant de passer au message, donc c'est quelque chose qui arrive très souvent depuis que on utilise l'application Movistar Planet, c'est que tout simplement on voit les affaires retourner de tous les côtés en double, en triple, et ça c'est vraiment extrêmement chiant. Moi je l'ai H24, hein, c'est tout le temps, à chaque fois que je lance, j'ai tout le temps des vêtements qui sont mis comme ça, c'est vraiment très chiant. Movistar Planet, s'il vous plaît, faites quelque chose. Et comme prévu, on passe aux situations écrites envoyées à les situations. Ok, donc on a reçu de Lena16151. Coucou ma chère quinzaine, j'ai une petite situation pour toi. Alors c'était tout simplement un soir sur MSP. Alors, excusez-moi, hein, petite interruption, ça fait penser un peu genre dans les débuts de films d'horreur. Voilà, c'était un soir. Elle se connecte sur MSP. Elle se cause sur son compte et là elle voit qu'il n'y a pas le même look que d'habitude. Alors elle commence à se questionner. Elle demande à ses proches s'ils savent quelque chose, si c'était eux. Car en soi, si c'était eux, ça ne l'aurait pas dérangé. Et là, elle va regarder ses cadeaux et elle a bien fait. C'était sa meilleure amie de l'époque qui était rentrée sur son compte et s'était offert plein de rares pixels, etc. Alors je vais vers elle, lui demander pourquoi elle a fait ça sans me demander. Oula, ouais, ça commence, ça va finir en film thriller, elle va assassiner sa pote pour avoir fait ça. Non, je déconne. Donc évidemment, elle lui répond que ce n'est pas elle et que en plus, je me suis rappelé que c'est vrai que je ne lui avais jamais dit qu'elle avait Ah d'accord, donc elle a jamais donné son mot de passe à sa meilleure amie. Donc au jour, je ne sais toujours pas qui c'est, pourquoi la personne ne les a pas envoyés à elle plutôt qu'à ma baisse. Bref, voilà, j'espère passer dans une de tes futures vidéos. Bisous, abonnez-vous à quinzaine. Bah merci beaucoup. Mais c'est extrêmement bizarre ton histoire, hein. Moi honnêtement, à ta place, je continuerai à avoir des doutes sur ta meilleure amie, hein, parce que peut-être que ton mot de passe était quelque chose qu'elle aurait pu connaître. Par exemple, un truc avec ta date de naissance et que vous êtes meilleure amie, elle connaît ta date de naissance, je ne sais pas. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est que t'as quand même demandé à tes amis si c'était eux, que si c'était eux, ça t'aurait pas dérangé, mais ça veut dire que de base, tu as donné ton mot de passe à quelqu'un. Et donc, voilà, je ne sais pas, franchement, c'est bizarre. Moi, je me poserais encore des questions sur ta bête, et dans tous les cas, je pense que du coup, si soit c'est ta baisse, elle a dû te rendre tes affaires. Enfin, du moins, j'espère, je sais pas. Ça aurait été bien de savoir si Lena, elle t'a rendu tes affaires, étant donné que elle était principalement, apparemment, pas... elle était pas au courant qu'elle avait reçu des affaires de toi et que c'était pas consentant, entre guillemets. Donc j'espère qu'elle te les a rendues, vous êtes toujours en bon terme, pourquoi pas. Maintenant, j'espère qu'entre-temps également, t'as changé de mot de passe. Et deuxième situation écrite, et sûrement dernière, qui vient de Rosalie473. Hey Kinzel, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien, j'ai une situation bug de BFF. J'avais 4 meilleures amies. Ouh ! Dans mes amis, j'ai vu qu'il y avait une amie que j'avais demandé en meilleure amie. Il y a longtemps, et elle m'avait accepté aujourd'hui. Mais j'avais déjà 3 meilleures amies. J'ai cherché mes 3 meilleures amies. La première, j'ai cliqué sur son profil, je l'avais en BFF. La deuxième aussi, et la troisième de même. Et j'ai vu la quatrième qui m'avait accepté aujourd'hui, je l'avais aussi en meilleure amie. Oula. Ok, il n'y a aucune menace, vous inquiétez pas, mon ordi va très bien.
Et j'ai vu la quatrième qui m'avait acceptée aujourd'hui, je l'avais aussi en meilleure amie. Donc je l'ai direct enlevée de mes meilleures amies. J'avais 3 meilleures amies normales, je sais pas comment j'ai pu en avoir 4. Mais pourquoi tu l'as pas gardée en tant qu'affaire? T'en penses quoi? J'adore tes vidéos des situations, je les ai presque toutes vues, tu as la best, continue comme ça, merci beaucoup. Oui t'inquiète, j'ai vu la petite phrase qui s'est mise en double. Moi personnellement, si j'arrive à avoir 4 meilleures amies, hein, je les garde. Hein. En tout cas, bah, c'est plutôt un bug qui est quand même positif et que je pense que t'as pu régler entre temps, bah les regarder. Elle est apparue où ici, genre dans la casse-cœur peut-être. Des fois je me dis que ce serait sympa qu'en fait ils nous laissent le choix pour la quatrième case. Dites-moi ce que vous en pensez, mais genre qu'on puisse nous-mêmes décider si cette case-là c'est une casse-cœur ou si c'est une case meilleure amie. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont rien dans cette case, que ce soit par choix ou tout simplement parce que voilà. Mais pour les personnes qui par choix ne veulent pas avoir de petits amis ou petits amis dans cette case-là, ça c'est tout à fait, ça se comprend, c'est normal. Il n'y a pas forcément tout le monde qui a envie d'en avoir un sur un jeu virtuel. Mais pourquoi pas nous laisser le choix donc de cette case, de savoir si on la transforme en casse-cœur ou en case meilleure amie. Ce serait peut-être une avancée pour Movistar Planet, voilà petite innovation. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.